Mais heureusement que nous nous retrouvons pour partager à nouveau des rires et de la bonne humeur, car nous en avons bien besoin. Je repère à gauche deux, trois petites chemises sympatoches. Je commence à les regarder, à les essayer. Et là, sans prévenir, « Bonjour monsieur, je peux vous aider ? Vous cherchez quelque chose en particulier ?»« Ben, mais c'est qui elle ? Quelle agressivité ? Qu'elle s'inquiète pas, je suis venu pour ça. Je suis venu pour acheter. Mais je suis sûrement pas venu pour me faire agresser. J'aime pas trop son petit ton, je la trouve un tout petit peu trop entreprenante. Jure. Moi, les miennes de phéromones, elles attirent tous les psychopathes au kilomètre carré. Le moindre débile à proximité, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on voit sur le mur écrit en rouge ? C'est pas Omar. C'est Valérie Dabido. On t'a refait la déco, mon poteau. Hey ! Ma grand-mère disait toujours qu'une bonne blague, c'est comme une levrette. C'est pas marrant si c'est pas un peu tiré par les cheveux. Voilà. Des lasagnes véganes. Et puis de toute façon, un enfant adopté, t'es moins triste si tu le perds. Simone, 93 ans, cougar. Comme si un coup de sgeg de 20 ans allait lui redonner un petit peu de vie. Parce que dernière nouvelle, un câble d'iPhone 11 n'a jamais rechargé un Minitel. Alors, je voudrais revenir sur un petit truc avant de commencer, juste pour qu'on soit tous raccord. Je suis une fille. Mascara lance-fille. Lisseur lance-flamme. Marteau assommeur. Il y a des trucs d'enfant que j'adore faire encore. Par exemple, j'adore m'asseoir sur les toilettes, regarder le papier et faire « J'ai fini !» Très bien. Sécurité. 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 Ah ouais, c'est un mitraillette. Vous savez, j'ai une petite fille. Elle est mignonne. Vous savez, elle m'en fait déjà de belle. Elle me met de la terre dans ma soupe. Soi-disant pour m'habituer au goût. Et si vous n'avez pas aimé? Oh! Et oh, 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 oh et... C'est comme notre druide de mes deux, là, le professeur Raoult, là, qui vient de nous annoncer que l'épidémie d'ici 3 semaines ne serait plus là, hein? Eh ben, il y a un moment donné, oh, oh, oh. Et ça sert à rien de pisser dans un violon jusqu'à 14 heures pour enculer un cul qui chie pas droit. Bon, est-ce que ça va? Oui. Je suis super content d'être là ce soir. Voilà, je m'appelle Maxime Sandré, j'ai 39 ans et je suis atteint de mucoviscidose. Elle vit comme elle respire. Mal. Il respire comme il baise. Vite! Un muco qui chante pourquoi je vis, pourquoi je meurs. C'est un petit peu comme si Jeanne d'Arc chantait allumer le feu, tu vois, c'est un peu... Mais à chaque fois que je me gare sur une place bleue et que je me fais engueuler, bon, c'est-à-dire pratiquement à chaque fois, hein. Vous savez ce qu'on me dit d'ailleurs la plupart du temps? Dites donc monsieur, vous ne manquez pas d'air? En cul, je suis sur tes genres de mec à enfiler un autre mec jusqu'au trognon sans avoir la vie politesse de lui caresser le petit frère. J'ai pas compris, chef. Merci beaucoup.